Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Goro Gorcillon qui vous parle en direct de son playthrou de The Witcher et nous en sommes au 5e épisode. Alors ça fait presque une semaine que je ne vous ai rien posté du tout, semaine assez chargée et touchée en même temps. Je devais faire plein de choses cette semaine que j'ai pas faites. Ça arrive parfois, hein. On a aussi une vie privée. Alors, nous étions restés chez Chani parce qu'on avait envie de faire des choses pas très catholiques. Sauf qu'elle est belle et catholique et elle n'a pas envie. Donc, on va un peu la laisser tomber et je vais faire, je sais pas, on va regarder tout de suite. Ah oui, je devais encore sauver une jeune fille. Bon, on va faire ça. C'est pas loin. On va déjà commencer par ça. La vieille est en train de balayer. Bon, on va se mettre un peu dans le perso. Que je me rappelle un petit peu les commandes. Ça, c'est l'épée. Ça, c'est l'argent. C'est... Je ne sais pas. Il y a quelqu'un. Un nain. Merci. Massacre gratuit. Ah, voilà. Un game life qui commence en tuant un nain est un bon game life. Une dague pourrie. Et ça, une hache naine de carbone. C'est une petite hache. Et il pleut et toi tu dors dehors comme un idiot. Je sais plus où c'était les... Ah ben voilà. Ah oui, c'est celui qui a bugué ça. Je dois le tuer. Est-ce que je peux le tuer alors qu'il a bugué? Merde. Tu es un assassin mort. Va-t-on réussir à débugger cette quête? Ouais, ça a débugué. Ah, ben on va peut-être avoir des moments pas très catholiques. Ah, il y a le... Il est revenu. Il est revenu. Tiens, sale noctule. Tiens. Aïe, 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 il m'a assommé. Ah, non, 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 pas de bisous, pas de bisous. Non, mais... T'es pas mon style. T'as l'air d'être plutôt un rapide, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il a été aussi faible aujourd'hui? J'ai l'impression que ça me prenait autant de temps les autres fois. Regardez. Comment ça se fait que je mets 20 coups à tuer les gens aujourd'hui? J'ai pas l'impression que ça prenait autant de temps les autres fois. Ingrédients, ingrédients. Ok. Bon, il y a encore un nain vivant. Qui a profité pour se barrer. Tu as mal au cœur. Une vieille. On va la laisser tranquille. Coiffure qui reste impeccable malgré le mauvais temps. Oh, elle est pas là. Ah, elle est peut-être à l'intérieur. C'était quoi ce bruit? Est-ce qu'elle est ici? Ah oui, elle est là. Bonjour Carmen. Merci pour votre aide. Ils nous laisseront en paix après. Je peux avoir ma récompense? Vous êtes fou? Non, des villageois veillent sur nous.
Mais il n'arrivait pas à mater ces monstres. Mais oui, préfère mater tes seins. Que préférez-vous? J'ai 200 au rein, à moins que vous ne vouliez être payé autrement. Bon, ben, tant qu'on y est... Je ne suis pas matérialiste. Je me suis déjà fait ta copine. Une bonne action doit toujours être récompensée. Je ferai savoir en ville et à toutes les filles quel héros vous êtes. Nous intéressant. Nous autres crétins savons exprimer notre gratitude. Ça devient bien. Intéressant. Vous aussi. Mais il y a pas mal d'imposteurs qui voudraient se faire passer pour vous. Disons que, pour lever le doute, vous apporterez des fleurs aux filles. Et c'est ainsi qu'elles me reconnaîtront? Sans aucun risque d'erreur. Je n'ai jamais vu un micheton apporter des fleurs à une putain. On pourrait le faire, non? Il y a beaucoup de filles comme vous à Vizima. Des tas, mais je suis la plus belle. Je n'en doute pas. Ravie de vous voir. Et pourquoi je peux pas le faire avec elle? Vous proposez des distractions moins classiques? Certains clients aiment jouer au dé en même temps. Ça vous dit? Un autre jour. Ravi de vous voir. Ah, comme je me suis fait arnaquer! En fait, elle me dit, va chercher ta récompense chez mes copines en leur donnant des fleurs, quoi. Ah, comme je me suis fait arnaquer sur le coup! À bientôt. Putain, je me suis fait arnaquer comme pas possible, quoi. Toi, je me suis déjà fait, donc... En plus, j'ai même pas de fleurs sur moi. Bon. Elle m'a fait un sale coup de pute, c'est qu'à de le dire. Voilà ce qui arrive quand on pense avec sa queue et pas avec sa tête. Poum poum. Il y a une porte? Ah, ok. J'adore la précision, escalier qui descend. Escalier qui monte. Ah non, escalier du haut. Ah, elle m'a fermé. Je veux sortir. J'ai de la chance, je peux pas sortir mon épée. Bon, après m'être bien fait arnaquer. Premier fail. Ça, on s'en fout. Je devrais questionner les habitants du marais. Ah oui, maintenant je suis sorti. Bon, bah on va faire ça. Portail de la digue. C'est celui où je peux passer maintenant. Ah oui, je dois aussi récolter des trucs de... Faut que je récupère des trucs de la salamande. Mais ça, il faut que j'attende... Non, c'est une arnaqueuse. Ah mais j'ai une hache sur moi en plus. Ça peut s'arranger. Tu peux dormir définitivement. Chacal. Je sais même plus où je vais là. C'est. Bonjour la vieille. Il n'y a pas encore un qui est en train de pêcher. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai rien compris. Chaîne de vie. Je ne suis pas quand. T'as de la chance qu'il y ait des gardes à 2 mètres. Bon. Je suis dans le marais. Je devrais faire attention à qui je drague. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Ils se promènent. Mais vous croyez vraiment que vous pouvez vous promener comme ça, allègrement Ah, ben voilà, ça y est, je tape à peu près normalement. Ah, elle est vachement efficace, cette épée en argent. Comme je les ai expulsés. Ouais, on prend tout. Miam miam, de la cervelle. Ouais, tonneau. Qu'est-ce qu'il y a dans le tonneau? Il y a de l'alcool et des aliments. On s'en fout. Est-ce qu'il y a moyen de piquer autre chose?
rien du tout. Ah, il y en a un par là. Récipient. Un magnifique bloc d'ombre. de la poudre, ça je prends. Donc, ben, apparemment je dois aller par là. Ah, mais il faut que ce soit de jour. Zut. Faut que je trouve un endroit pour dormir. On va continuer à visiter. Hein. Là, il y a peut-être moyen. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ils vont me dire, vous pouvez pas passer. Je m'en fous. L'ancienne Vizima. Derrière cette porte, la peste fait des ravages. Pas très efficace, cette quarantaine. Que le feu éternel remplisse son cœur. Qu'est-ce qu'il raconte, toi? Bonjour. Non. Pendant la guerre, j'ai servi sous les ordres de Bodybot. Ah. Halt! Nul ne peut passer par ici. C'est toi, Diane. Le nul. On peut savoir pourquoi? Personne ne passe. Pas même l'empereur de Nilfgaard. Ordre du capitaine. Et pourquoi même l'empereur ne peut pas passer? Parce qu'il y a la peste. Ordres. Je vois mieux comment nous avons gagné la guerre. Comme ça. Non. Soyons sérieux. Ou pas. Est-ce que je peux passer si je les tue? Tu n'es rien qu'un être humain. Tu ne peux rien contre ma surpuissance. Couchez. Tu es résistant pour un humain. Bon, voilà une bonne chose de faite. Une dague. Ou. Une dague. Formidable. Dégâts 1-6. Chance d'effet qui trique. Oh, mais elle est meilleure que ma dague alors. Hop. Et je peux pas récupérer ça. Non. Est-ce que je peux passer la porte maintenant? Non, c'est verrouillé. Ça ne servait à rien, mais c'est pas grave. Je vais peut-être avoir toute la garde sur le dos maintenant, mais je m'en fous. Si je dois raser la ville, je raserai la ville. Puis c'est tout. Alors, un tonneau, une torche. Ah non, il n'y a même pas moyen de dormir ici, dis donc. Ah, est-ce que les gardes vont là? Taquer. Tiens, là, la pluie, ça tombe vite par ici. Hein. Putain, moment critique. Un garde qui m'a dit une phrase qu'il n'aurait pas dû dire. Et il va lui donner un cours de chacalerie. C'est bien, tu butes des gardes, ça n'a absolument aucune conséquence. Parle-moi sur un autre ton. Et couché. Que je puisse t'achever. Ah non, tu te relèves. Zut. Je voulais faire un super finish. Oh bah, c'est pas mal comme finish. Disparition du cadavre. Ah zut, tu peux pas le looter. De toute façon, ils ont que des dagues sur eux. Ouais, ils ont que des dagues sur eux. Ça sert à rien. Les gars, tu butes leur copain derrière la porte, ils en ont rien à cirer. bonjour, j'ai... Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. Salutations, loup blanc. Je vous cherchais. Je qui es-tu? Que vous vouliez boire un coup avec moi. Eh non. Vous avez tué un garde de la cité. J'ai un mandat. Vous voulez savoir combien vaut votre tête? Ta vie. Aucune importance. Vous ne toucherez pas à cet argent. Dégainez votre arme. Ah! Putain, il m'a buté en un coup! C'est une blague? Il m'a buté en un coup, le mec. Bon, donc, tout compte fait, ça a une influence. Il a fallu très longtemps, mais elle est arrivée.
Oui, mais tu peux même pas buter le mec qui vient de... C'est n'importe quoi. Il avait une arme en quoi hein. Il y a même plus de garde. Le jeu qui part en sucette. En plus, quand j'avais chargé, il pleuvait pas, hein, je veux pas dire, mais. Ouais, l'épée qui rentre même plus dans son socle. Ouais, ben cette fois, je prends un somnifère. Hein. Ça m'a coûté cher la dernière fois que je t'ai donné mon remède. Ça va, personne ne m'en veut, non? Même pas le chien, bonjour. Comment tu fais pour aboyer en dormant, toi? On sent le tueur professionnel. Merci. Enfin, un mendiant sympathique. J'ai mal au cœur. Eh ben, elle va lui dégueuler dessus. Elle arrive, elle le fait devant, elle fait « J'ai mal au cœur !» Il me dit des choses gentilles, elle lui dégueule dessus, non mais... du coup, je sais plus ce que je suis venu faire ici. Ah oui, dormir. Bon, bah, on va aller dormir chez Carmen, elle changera peut-être d'idée. C'est quoi ce bruit? Ah, il y a une noctule ici. Mais je l'ai pas tapé fort, je me demande si c'est vraiment un... Aïe. Ah, non, 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 pas de bisous. J'aime pas les bisous. Alors, peu importe l'épée que j'utilise, ça change pas grand chose, j'ai l'impression. Hein. Bon, je fais aucune remarque sur le bug qui vient encore d'arriver là. Ok. Bon, toi, je vais te laisser. Je ne vois plus rien. Il y a la vieille qui t'a dégueulé dessus aussi. Carmen. Ravi de vous voir. Moi aussi. Est-ce que je peux coucher avec toi? Non. Tu ne viens pas avec moi me tenir compagnie? Dommage. Est-ce que j'ai des points à répartir? Non. Je suis vraiment feignasse. Alors, un peu d'alchimie. Non plus. À part ça. Mais ça sert à rien. Bon. On va dormir jusqu'à l'aube. Hein. Peut-être même une heure en plus, le temps que l'aube se mette bien en place.